J'ai eu l'idée de Luca il y a longtemps, il y a maintenant longtemps, c'est il y a au moins une dizaine d'années. À la base, c'était un projet qui était assez simple, qui était plutôt axé football. En fait, j'avais rencontré des auteurs qui m'avaient dit mais rien de mieux que de faire prendre une passion et pour s'appuyer pour appuyer son récit. Donc du coup je m'étais dit bah j'adore la musique, le football. J'avais fait deux projets différents, un sur un groupe de musique rock et l'autre sur un footballeur. Puis avec le temps après il y a mes études, tout ça, ça s'est un peu tassé. Et quand est revenu pour moi l'envie de faire un album de BD, j'ai repensé à ça. Et j'ai repris le football parce que j'avais pas mal d'idées, enrichies par toute mon expérience, notamment dans le cinéma. J'avais envie de mettre un peu plus de fantastique, du policier, pas mal d'éléments. Et du coup, là, le Luca a été créé à ce moment-là. Donc la base est le football, mais quand même, ma vraie envie était déjà très variée. Et d'ailleurs, le thème principal de Luca, ce n'est pas le football, c'est le dépassement de soi. Oui et non, c'est-à-dire que c'est toujours, on va toujours prendre un peu de ce qu'on a vécu, un peu de ce qu'on a vu, et après, vu Luca, c'est étiré, stretché, déformé, pour en faire des choses un peu plus caricaturales. Mais il y a toujours un fond de vérité, en tout cas de ma vérité à moi et de ce que j'ai pu vivre. Du coup, il y a toujours ce petit fond-là et qui après, évidemment, complètement exagéré pour faire rire et pour amuser le lecteur. Comment je me voyais quand j'étais adolescent, je crois qu'on idéalise toujours, on se dit qu'on va devenir, on va tout faire pour devenir celui qu'on veut être. Moi j'ai de la chance d'y être un peu arrivé parce que j'ai toujours rêvé de devenir dessinateur, de travailler sur des dessins animés, sur des bandes dessinées. Et professionnellement on peut dire que j'y suis arrivé, donc je crois que l'adolescent que j'étais serait content de voir ça. Pour le moment, non. Luca me prend tout mon temps disponible. J'alterne déjà entre le cinéma d'animation et la bande dessinée, ça me demande déjà beaucoup de temps. Et là, Luca, j'ai pas mal de choses en tête, et j'aimerais les faire et les délivrer plus rapidement que ça a pu être le cas dernièrement. Donc j'aimerais sortir plus régulièrement les albums. Et une fois que je serai bien lancé, j'aurai mon rythme de croisière. Pourquoi pas, j'ai d'autres idées, mais c'est vraiment pas dans un proche avenir.